Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Pépix, une minute pour parler de la fantastique aventure de Wawa le Chihuahua de Rachen Korenblit, donc paru bien évidemment dans la collection Pépix. Top chrono. Donc la fantastique aventure de Wawa le Chihuahua, c'est l'aventure de Wawa le Chihuahua qui appartient à un petit garçon qui s'appelle Yanis. Donc les deux sont tous les deux peureux, un peu, enfin ils aiment bien être tranquilles devant la télé ou ce genre de choses et donc Yanis, bah lui il ment, il dit à ses nouveaux copains à la montagne que son chien c'est le meilleur, enfin il raconte des mensonges comme ça parce qu'il veut les impressionner. Et du coup ça les entraîne dans une aventure avec un loup dans les montagnes. Ils partent à la recherche d'un loup qui menace le village et une bête terrifiante. Et donc ils vont traverser un glacier, ils vont traverser des aventures comme ça. Et vraiment l'avantage de cet épisode, je trouve, c'est que même si la couverture ne le montre pas, c'est celui qui m'a fait le plus peur et je trouve qu'il est vraiment angoissant. Après peut-être que ça dépendra des enfants, mais là y a le glacier, il y a le vide, il y a un enfant qui tombe dans le vide et il va falloir l'aider, il y a la bête, on sait pas trop si c'est un loup ou autre chose, c'est vraiment très effrayant. J'ai trouvé que ça c'était vraiment prenant. Je me suis laissé avoir par le temps, mais j'ai réussi à dire l'essentiel, donc à demain pour un nouveau titre.